Aujourd'hui, direction le col de l'Espigoulier. Température un petit peu fraîche pour ce matin, à cause du Mistral qui souffle pas mal. On verra s'il va nous être favorable ou pas. On vient de quitter Roquefort-la-Bidoule, on passe les Bastides, on prend la direction de Gémenos. Les routes sont belles par ici. Aussi bien en montée qu'en descente, c'est un plaisir. Très très chouette. Les massifs sont toujours fermés, donc on fait avec ce qu'on a, on prend les routes. Pas de VTT. Avec Séverine, donc on prend la direction de ce massif qui est là-bas en face. Arrivé à Gémenos, le parc naturel de la Sainte-Baume. Joli le centre là. C'est sympa le centre-ville ici. Ouais. Tout mignon. Bonjour. Vous l'avez déjà faite celle-là? Oui. Ah, il paraît qu'elle est longue et dure. C'est vrai? Ah ouais. Ouais. On va découvrir ça aujourd'hui. Ouais, c'est le passage entre 4 et 8 qui est un peu plus dur. Après les deux derniers kilomètres, ça va. Ouais. Mais ouais, ça dépend de votre niveau. Hein. Sinon, ça va passer. Ouais, ça devrait normalement. Oui. C'est combien de kilomètres là en montée? Là, à partir maintenant, on est à peu près à 9 et 8, 10 là. D'accord. Ok, ça marche. Pas l'eau, de toute façon. Ah oui, 9 km, d'accord, ok. Encore 8 km à 7%, passage au 7ème kilomètre, 4,9%. Ma femme va me tuer parce que je l'ai pas attendu. C'est d'une perte. Ils ont un sacré rythme. J'ai suivi comme je pouvais, le temps que je pouvais. Voilà, on arrive en haut. La vue sur Marseille, bébé! Avec un vent de lingue! Superbe! On attaque la descente!
je me méfie.
Descente terminée, on arrive à Gémenos. Nous venons de passer au bagne et on prend en direction Roquefort-la-Bédoule. Ce qui est bien ici, c'est qu'il y a plein de pistes cyclables comme ça le long des routes. Donc c'est vraiment, vraiment chouette de rouler, même sur la route. Super agréable. Je dirais même que les gens font plus attention par ici, en tout cas, que par rapport à chez moi dans le Pas-de-Calais. J'ai l'impression qu'il y a un peu plus de respect envers les vélos de route. Certainement que les gens ici sont plus habitués à avoir du vélo de route. Donc la cohabitation est certainement meilleure grâce à ça. Mais en tout cas, les routes sont belles, donc c'est vraiment agréable de sortir le vélo de course. Et un grand bravo à Séverine qui a monté ce col avec brio. Elle a géré son effort vraiment nickel. Nous regagnons notre lieu de vacances. J'espère que ça vous a plu. Et puis on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !